Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau conseil du jour et aujourd'hui on va parler de vaccination. Et oui, c'est hyper important la vaccination et vraiment ne l'oubliez pas. Et aussi sachez un petit peu pourquoi on vaccine, parce que c'est facile de dire vaccination, c'est pas bon, des fois on sait même pas sur quelle maladie on vaccine. Donc là je vais vous citer pourquoi on vaccine et quelle maladie et les symptômes aussi de ces maladies. Alors, déjà, il faut savoir qu'on commence à vacciner le poulain à partir de l'âge de 3 mois. Donc, vous allez lui faire le premier vaccin et un rappel un mois après. Et après, il aura un rappel par an, comme tous les autres chevaux. Si vous avez un nouveau cheval qui n'a jamais été vacciné, ça se passera pareil. Vous allez lui faire le premier vaccin et le rappel dans un mois. Donc, la vaccination regroupe 4 grosses maladies. Même si en France, il y a certains vaccins qui ne sont pas obligatoires, pour nous ici au Maroc, les 4, on les a obligatoirement quand on demande une vaccination équine. Il y a 4 maladies. La première, c'est la grippe équine. La deuxième, c'est le tétanos. La troisième, la rhinopneumonie. Et la quatrième, la rage. Je vais vous énumérer quelques symptômes pour que ça vous permette de la reconnaître et aussi pour que vous compreniez pourquoi on vaccine contre cette maladie. Donc déjà, vous allez retrouver une toux sèche et une température qui est très élevée. Vous allez vous retrouver avec votre cheval qui est un peu comme ça, déprimé. Ça peut aller jusqu'à des maladies pulmonaires obstructives. Et donc, obstructive, ça veut dire un bouchon. Après, on va passer au tétanos. Alors, moi, je vais vous donner un exemple complètement vécu, que j'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça, c'est l'année dernière. L'année dernière, j'ai sauvé un petit âne dans une ville à 30 km d'ici. Et ce petit âne, j'en suis tombée hyper amoureuse et il avait un problème au niveau de l'épaule, donc il ne pouvait pas travailler, donc j'ai décidé de le récupérer. Je l'ai récupéré avec 2 autres de ses copains, une jument et un autre âne. Ceux-là, je les ai envoyés dans une association parce qu'ils avaient des pathologies assez lourdes et moi, je ne pouvais pas les soigner à ce moment-là. Cet âne, il est arrivé chez moi et je sais pas, il a passé 3 semaines, 1 mois chez moi. Puis après, ses copains sont partis dans l'association et moi, j'ai décidé de garder cet âne. Et quelques jours plus tard, je l'ai retrouvé couché un matin, j'ai pas trop compris. Et du coup, j'ai cru à une colique. Donc, je lui ai mis de la calmagine et en fait, malheureusement, c'était pas une colique. Et puis, je me suis rendu compte que tous ses membres, tout était bloqué, quoi. Mais vraiment complètement bloqué. Et c'est vraiment impressionnant. Jusqu'au point où, 24 heures plus tard, puisqu'on a essayé quand même de le soigner avec le vétérinaire, il a essayé de lui faire des intraveineuses pour arriver à le sauver. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, on a quand même décidé de lui laisser 24 heures au cas où que ça marche. Et au bout de 24 heures, c'était vraiment horrible. Il était, en fait, enfermé dans son corps. Vraiment, tout était très dur. Vous savez, un peu comme quelque chose déjà de mort, sauf qu'il n'était pas froid, la température corporelle était là, mais par contre, tout était bloqué, quoi. Et du coup, il n'y avait plus que les yeux, les dents, la bouche, tout était comme ça, les oreilles, tout était vraiment complètement bloqué, quoi. Et donc, c'est pour ça que, vraiment, je vous invite, mais à 100%, à vacciner vos chevaux, s'il vous plaît, vaccinez vos chevaux au moins contre tétanos, parce que franchement, c'est pas joli à voir du tout. Et de plus, en plus, c'est pas une maladie qu'on voit tout de suite, puisqu'il y a une période d'incubation qui est quand même assez longue, et donc d'un coup, du jour au lendemain, vous arrivez, l'animal, il est couché, bloqué comme ça, c'est assez impressionnant. Donc je vous invite vraiment à aller vacciner contre cette maladie. Il faut savoir que le cheval est l'animal le plus sensible au tétanos parce qu'il est porteur dans la partie postérieure de son intestin. Donc vraiment vacciner contre le tétanos. La troisième maladie, c'est la rhinopneumonie. La rhinopneumonie, c'est un herpès virus équin. Cet herpès virus équin va entraîner des infections respiratoires chez le poulain. Il va aussi sûrement entraîner l'avortement chez une jument gestante en allant jusqu'à la paralysie. Et il faut savoir que 90% des chevaux sont porteurs latents du virus. Latent, ça veut dire qu'ils l'ont à l'intérieur de leur corps et qu'il va falloir quelque chose pour déclencher ce virus. En l'occurrence, pour la rhinopneumonie, il va falloir un gros stress ou par exemple, après un transport qui s'est peut-être pas forcément très bien passé pour le cheval, en tout cas, il risque de ressortir du jour au lendemain. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vacciner. Mais j'ai une dernière chose à vous dire, c'est que en France, en tout cas, surtout en Europe,
Au Maroc, non. Au Maroc, il est prévu dans nos vaccins. Mais en France, il n'est pas prévu dans vos vaccins et il faut que vous le demandiez. Surtout si votre cheval a des contacts avec beaucoup de congénères, comme par exemple si vous le mettez dans une pension où il y a beaucoup de chevaux, où il y a beaucoup de chevaux aussi qui rentrent et qui sortent. Si aussi vous le mettez, vous allez dans un spectacle ou dans des concours, des choses comme ça, je vous invite à vacciner contre la rhinopneumonie. Si vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, justement, il y a eu pas mal de cas de rhinopneumonie en Europe. Donc vraiment, vaccinez vos chevaux. Et la quatrième maladie, c'est la rage. Alors, pour vous, la rage, vous allez peut-être vous dire, mais pourquoi on vaccine contre la rage? Il n'y en a plus en France. Alors, il n'y en a plus, effectivement, mais il peut aussi y en avoir par des renards ou des choses comme ça, sachant que si vos chevaux ils sont au pré, vous savez pas la nuit ce qu'ils peuvent croiser comme animaux sauvages, et donc il faut mieux vacciner contre la rage. Nous, au Maroc, il faut absolument vacciner contre la rage parce qu'il y a de la rage encore pas mal au niveau des chiens errants ou même d'autres animaux. Moi, j'ai déjà vu des chevaux avec de la rage. Alors, la rage, il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs formes de rage. Il y a la forme silencieuse et il y a la forme furieuse. Alors nous, on a plutôt l'habitude de la forme furieuse où on va voir souvent chez le chien, parce que souvent ça a été montré avec des images de chiens, mais chez le cheval c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va voir un chien qui va commencer à attaquer un petit peu tout, qui va commencer à se mordre lui-même et qui va attaquer le moindre chose qui passe et souvent saliver beaucoup. Chez le cheval, ça se passe à peu près pareil. Et moi j'ai un ami, il y a quelques années qui justement nous a appelé en nous disant « Mais mon cheval, il fait que de se mordre, il fait que de se mordre lui-même. » Et le lendemain, la jument, elle était morte. Donc lui, quelque part, il a eu de la chance parce que ça n'a pas duré longtemps. Mais il faut savoir que des fois, ça peut durer pas mal de temps. Donc faites attention à la rage. Vaccinez vos chevaux contre la rage. Écoutez, surtout si en plus vous partez en concours et tout. Je ne suis pas sûre que ce soit obligatoire, mais j'espère que ça l'est. Je pense que quand vous allez en concours, c'est obligatoire. Souvenez-vous que vous devez vacciner vos chevaux contre la grippe équine, le tétanos, la rhinopneumonie et la rage. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez plus d'informations par rapport au concours, parce que vraiment, j'aimerais bien savoir. Donc, mettez-le moi en commentaire. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao !